Salut, aujourd'hui je vais changer mes amortisseurs arrière. Comme vous pouvez le voir, ça rebondit un peu à la sortie des Dodanes, je vous montre ça au ralenti. Et pour les routes sinueuses d'Ardèche, je vais choisir le Cogni FSD, qui serait un des meilleurs produits de la gamme en termes de confort, pour les montres d'origine. Donc je mets du dégrippant sur les trois vis de l'amortisseur. Du temps que le dégrippant fait effet, je lève le véhicule, je démonte la roue, je le cale sur chandelle, je mets des cales de secours au cas où il y a une chandelle qui rip. Et là, avec un cri, je vais lever le triangle afin de détendre le ressort et l'amortisseur pour pouvoir libérer tranquillement l'amortisseur. Pour démonter le bas de l'amortisseur, j'utilise une clé de 21 avec un tube d'environ 80 cm pour allonger la clé. Comme le couple de serrage est assez important, ça donnera un peu de force. En haut, il faut une clé de 18. Alors je pensais changer mes amortisseurs tranquillement en une heure ou deux, et puis voilà que je tombe sur de la rouille, que je vais nettoyer ça, je vais mettre du défrose, du ferrose, de la peinture anti-rouille, de la peinture et puis du vernis. Je ne vais pas trop revenir dans les détails parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le traitement de la rouille et sur le châssis. Je vous montre juste quelques images pour illustrer. Du coup, pour appliquer tous ces produits dans les règles de l'art, j'ai dû laisser mon T5 sur cale quelques jours, le temps que chaque produit sèche. Ensuite, je mets un peu de graisse cuivrée sur les amortisseurs pour pas que ça abîme la peinture et que la rouille se propage dans cette zone-là. Voilà, je rapproche ma vis. Donc la référence de la vis, c'est N102-09-605. Volkswagen recommande le changement des vis après remplacement des amortisseurs. Moi, j'ai préféré récupérer les anciennes vis car elles étaient en bon état et que ça m'aurait fait des frais supplémentaires de les changer. Donc en bas aussi, je mets de la graisse cuivre sur les zones de contact de l'amortisseur. En bas, la vis, c'est la N105-03-402. Par contre, faites attention de ne pas mettre de la graisse cuivrée sur le filetage là où l'écrou va venir serrer l'amortisseur. C'est juste pour protéger les zones de contact. Donc la référence de l'écrou, c'est N102-40-304. Maintenant, je vais faire un pré-serrage. Et le serrage final au couple se fera lorsque j'aurai remonté les roues et que j'aurai reposé le véhicule. Voilà, pour remonter mes roues, on m'a prêté un cri qui était un peu mieux que ce que j'avais précédemment. Vous voyez, c'est quand même plus sympa là, l'installation. Donc je remonte mes roues. Avec la clé 19, je serre à 180 N. Et là, j'ai posé le véhicule sur les rampes pour avoir plus de hauteur, pour pouvoir passer dessous et faire tranquillement le serrage définitif au couple. Donc en haut, c'est 80 N plus 90 degrés si vous avez mis des vis neuves. Et en bas, c'est 120 N plus 180 degrés si vous avez mis des vis neuves. Comme j'ai gardé mes anciennes vis, je n'ai pas appliqué les degrés supplémentaires au couple de serrage. Donc quand on récupère les anciennes vis, elles sont déjà étirées et apparemment, on ne serait pas obligé d'appliquer les degrés supplémentaires au couple de serrage. Mais j'ai mis une réserve là-dessus tout de même. Après le serrage, je mets de la graisse cuivre sur les vis afin de les protéger des intempéries. Et voilà, c'est terminé!